Je sais que tu ne venais pas souvent ici, mais... je peux te suivre grâce à ton bracelet et te guider. Déplacement. Opérateur à l'approche. Ouais. C'est quoi cette histoire avec le bureau de Mikaïla? J'ai rempli un rapport d'incident. Je suis sûr qu'il est très bien écrit, mais j'ai pas le temps. Il faut que j'envoie une équipe de l'autre côté de la brèche. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'un trou de balle au fond d'un puits paraît plus éclairé en comparaison. La résistance de mise à la terre a grillé. Change-la, ça devrait relancer l'éclairage. Autre chose? Ouais. T'as l'air secoué. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai déjà essayé de changer la résistance hier. Et? Et... elle a fondu, c'est devenu une espèce de gelée. Ça sentait le cul grillé. Bordel, Lane, tu l'as pas mis dans le rapport, si? Écoute, faut que je dorme. De toute façon, j'ai fini mon quart. Peut-être que t'auras plus de chance que moi.
parlez-moi. Nous avons un contact ennemi, mais ils ont... Vous auriez dû tenir votre position dans la zone de fret. J'ai pas pu, chef. Je pouvais pas laisser ces gens. Pouvez-vous rejoindre les modules d'évacuation? Négatif. Les modules ne marchent plus, c'est comme s'ils étaient coincés sur place. Seuls 4 d'entre nous sont arrivés au système de... hors de vie. 5. D'après le radar, Raymer est derrière vous. Négatif. Raymer... Raymer n'est plus Raymer, chef. C'est chose... Chef, l'ascenseur principal. Il marche pas. On est coincés. Oh mon Dieu. Raymer. Raymer est ici. N'approche pas. N'approche pas. Dig. Erika, réponds. D'où est-ce qu'ils viennent, à votre avis? Je sens une certaine frustration. Duncan, les codes d'accès de la réserve de pièces détachées ont été changés lors du dernier quart. On a eu un court-circuit, la sécurité est venue redémarrer le système. Oh d'accord, merci. Je suis peut-être pas bien placé pour ça, mais... Quoi, j'ai pas la journée. Eh ben, c'est juste qu'il y a eu une fuite sans importance et j'ai dit à Conley que nous devrions attendre les nouvelles pièces, mais... Duncan, vos concours de beat avec Conley, je m'en tamponne. Parlez-en à Brooks. Le code est en pièce jointe. Thank you.
cible. Aucun matériel Typhoon détecté. Polluant Typhoon, diagnostic de vérification. Oral identifié. Question, capteur stable. Énergie suffisante. Actionnaire stable. Gestion de l'implication de terreur. Veuillez contacter le service d'ingénierie. Salt Rose, mais c'est vrai, le passage va être bloqué. Bon, Morgan, il va te falloir une carte d'accès de superviseur. T'as allé à Brooks, dans la chambre de refroidissement. Elle ne s'en est pas tirée, mais elle a probablement sa carte sur elle. Menace alien détectée. Cible perdue. Tourelle telle indicatrice automatique, version 0.7.6, en ligne. Vérification des mises à jour, cerveau. Scan de la cible, aucun agent de monde à l'inclinaison requis. Cible perdue. L'oiseau m'a dit que t'avais bouché une fuite de manière pas très conventionnelle il y a quelques semaines. Ah ouais? Est-ce que c'était un petit oiseau lèche-cul du nom de Krasikov? Peut-être. Tu peux éclairer ma lanterne? Pas si je vais me prendre une tape sur les fesses. Pire. Je vais te balancer dans l'aquarium à anguilles. Aïe. Non, il y avait plus de pièces en réserve, alors j'ai emprunté le canon glu des types des labos techniques. Ça a bien marché. Ingénieux. Mais la prochaine fois, vérifie que t'as bien les pièces détachées pour réparer correctement. Compris, boss. 0.7.6. Reconnaissante. Activé.
Alerte système. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Alerte système. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Boże mój, Morgan. J'ai cru que j'allais mourir. Enfin, bien plus tôt que prévu. Ce truc sortait d'où ? C'était Tony ? Le regard qu'il m'a lancé. Je me lèverais bien si mes jambes me laissaient faire. Et mes poumons. Et mon système nerveux. On ne fait pas cette tête. Paraplexie, tu te souviens ? Tu m'avais prévenu. Les injections sont dans mon bureau. J'y arriverai jamais dans cet état-là. Mais les ascenseurs... J'étais sérieuse tout à l'heure. Je crois qu'on peut contourner le verrouillage. La salle de contrôle du réacteur. On peut tout mettre hors tension depuis là-bas. Toute la station. L'ordinateur essaiera de t'en empêcher. Ne l'écoute pas. Ensuite, prie pour que les systèmes se rétablissent quand tu redémarreras le réacteur. Ça devrait fonctionner. Non, ça va fonctionner. Vas-y, pars. Est-ce que les secours sont en route ? Alerte. Comment tout cela est-il arrivé ? Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Je pensais qu'on t'avait fait quitter la station. Ou que tu l'avais quitté de ton plein gré. D'où est-ce que tu viens ? Je croyais que tu étais sur Terre. Au moins, la situation ne manque pas d'ironie. Je dois cacher ma maladie pour travailler pour une société capable de la soigner. Alerte système. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Alerte système.
Réparation nécessaire. Vous ne vous souvenez pas d'elle, mais elle se souvient de vous. Elle a caché sa maladie pour travailler à bord de Talos One. Lorsque vous l'avez découvert, elle aurait pu être renvoyée sur Terre. Mais vous avez fait une exception. Je ne sais pas si cela vous rend responsable, maintenant. Elle ne tiendra pas longtemps sans son traitement. À vous de voir si vous voulez l'aider. Ça ne marchera pas. Ça fait partie du blocage total commandé par votre frère. Alerte l'ascenseur système. Principal et tous les sas extérieurs. Veuillez vous serez coincé tant que vous ne trouverez pas une solution. Il essaie de vous ralentir, Morgan. Et il met tout le monde en danger, par la même occasion. Thank you.
réinitialisation de la séquence d'arrêt du réacteur. Réseau d'alimentation des sous-stations désactivé. Anneau photovoltaïque désactivé. Système de support de vie désactivé. Magnétosphère désactivé. Gravité désactivé. Du réacteur. Principal dans 3, 2, 1, réacteur. Détecté. Conley, cet imbécile était censé vérifier ses partiteurs il y a une semaine. Ok, Morgan, tu vas devoir réparer ça toi-même. Ou trouver une pièce de rechange si on n'a pas de bol. Les partiteurs du réacteur de rechange sur le monte-charge comme demandé. J'ai demandé à Conley de les descendre quand on en aura besoin.
Réseau d'alimentation des sous-stations activé. Initialisation du réacteur terminée. Système restauré. Ça a marché. Je vois que les ascenseurs et les sas sont alimentés. Mais je détecte beaucoup de surcharges et de fuites dans la chambre de refroidissement. Fais attention en revenant. Les autres structures sont peut-être endommagées. Oh, je vois. Tu as tout réinitialisé. C'est journée porte ouverte sur Talos One à présent. Malin. Dangereux, mais malin. Ça fait plaisir de voir que certaines choses n'ont pas changé. Je ne te mettrai plus de bâton dans les roues. Tu mérites de connaître la vérité. Toute la vérité. Viens dans mon bureau. Morgan, c'était vous? Je sais pas ce que c'était, mais c'était flippant. Si c'est une sorte de blague, le courant semble revenir. J'espère qu'il en est de même pour l'ascenseur principal. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Attention, Morgan. Tu as déclenché l'alarme de gaz dans la chambre de refroidissement après avoir redémarré le réacteur. Les turbines sont refroidies à l'hydrogène. Et maintenant, elles fuient. Appuie sur la gâchette et ce sera le dernier son que tu entendras. Ça reviendrait à t'asseoir sur une grenade dégoupillée. Ou pire. Joli travail, Morgan. Tu ferais un bon ingénieur. Maintenant, dirige-toi vers l'ascenseur avant que je meure sous tes yeux. Mes poumons s'accrochent du mieux qu'ils peuvent, mais ma vue commence aussi à me lâcher. Merde. Microgravité détectée. Attention, empoisonnement ou radiation détectée. Veuillez vous soigner.
Morgan, ici le docteur Igwe. J'ai réussi à rejoindre votre bureau. Je vais rester là jusqu'à ce que... Docteur Igwe ? Nom d'une synapse. Qui êtes-vous ? Et pourquoi parlez-vous avec la voix de Morgan ? Je suis January, l'opérateur personnel de Morgan Yu. Eh bien, January... Toutes mes... M'excuse. Votre arrivée m'a surpris. J'ai passé une sale journée. Si vous faites référence à l'infestation de Talos One par les Typhoons, Docteur Igwe, c'est exact. Vous êtes l'un des rares survivants. Je... Oui. Et... Dites, ce fabricateur est en état de marche ? Il pourrait m'être fort utile avec votre permission, Morgan. January. Vous êtes autorisé à travailler sur place, Docteur Igwe, et à fabriquer tout ce qui pourrait aider Morgan à contenir les Typhoons. Je resterai dans votre bureau jusqu'à votre retour, Morgan. Je vous serai peut-être utile. Lesa, n'est-ce pas? Parfois, tu me rends vraiment dingue. Tu ne m'écoutes jamais.
Oh merde, Morgan. Je suis décidément pas au bout de mes surprises avec toi. S'il te plaît, dans ma nuque, essaye de trouver les marques. C'était plus difficile quand je le faisais moi-même. Putain, c'est bon, j'arrive à respirer. Et à sentir mes jambes. Toujours quelques taches devant mes yeux, mais elles devraient bientôt disparaître. Merci, Morgan. Joli travail, Morgan. Tu ferais un bon stagiaire. Maintenant, va à l'ascenseur. Mais attention, on ne sait pas ce qui pourrait s'y trouver. Je te suivrai dès que possible. On se retrouve dans ton bureau.